Bienvenue dans votre émission Résilience, une émission réalisée en partenariat avec le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la Communauté du Pacifique et le programme régional océanien de l'environnement. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux actions mises en place par Protège pour rendre plus résilientes les pratiques agricoles face au changement climatique. Pour comprendre ces enjeux, nous sommes allés tourner en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française. En Polynésie française, de nombreuses îles et atolls du territoire vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. Mais la pratique agricole y est parfois difficile, notamment sur les sols coralliens peu fertiles. C'est le cas à Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu. Tehei est agriculteur et exploite une parcelle agricole d'un hectare, un fahapu en tahitien. Je suis agriculteur sur Fakarava depuis à peu près 4-5 ans, je crois. J'ai commencé en 2016, fin 2016. Pour commencer, il y avait que de la végétation indigène. Ce que j'ai fait au départ, j'ai tout défriché avec un tractopelle. Ensuite, après, j'ai préparé les planches qui sont là. J'essaie de faire tourner tomates, salades et potas. Et entre chaque plant de tomate, j'essaie de mettre en fait, des aromates basilic, persil. J'essaie de mettre aussi des fleurs, en fait, peu importe les fleurs. Sur son fahapu, Tehei cultive aussi des piments ou des aubergines, mais il est confronté à des difficultés propres au sol corallien. Les principales difficultés que j'ai en fait sur le fahapu, c'est plutôt l'apport en eau et l'apport en nutriments. Face à ces difficultés, Tehei est accompagné par le projet Protège, piloté par la Communauté du Pacifique et le programme régional océanien de l'environnement. Un accompagnement pour renforcer l'agroécologie et la résilience au changement climatique sur la parcelle de Tehei et chez de nombreux agriculteurs ou éleveurs en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Polynésie française, la direction de l'agriculture et le projet Protège ont mis en place un réseau de fermes dites de démonstration pour promouvoir des pratiques agricoles plus résilientes, moins consommatrices en eau et pour reconstituer des sols plus fertiles. L'exploitation de Tehei à Fakarava fait partie de ce réseau. Comme sur la plupart des îles coralliennes de Polynésie française, l'une des principales difficultés de Tehei repose sur sa ressource en eau agricole. L'eau, je la puise dans le sol, directement dans la lentille d'eau. Donc après, ça demande du temps pour arroser. L'arrosage de sa parcelle est particulièrement chronophage. Tehei y consacre environ 1h20 par jour. Mais cet arrosage quotidien implique surtout une conséquence, la potentielle fragilisation de la lentille d'eau. Une lentille d'eau, c'est une présence d'eau douce sous un atoll corallien, sous une terre corallienne. Alors on appelle ça une lentille d'eau parce que l'eau douce se retrouve au-dessus de l'eau de mer, qui elle s'infiltre aussi par l'océan et le lagon. Et en fait, donc, elle devrait être exactement au même niveau que l'eau de mer, mais on a un effet de capillarité qui fait que ça gonfle un petit peu l'aspect de cette lentille d'eau et donc ça crée une lentille, en fait, comme une lentille optique. Alimentée par l'eau de pluie, cette lentille d'eau située sous les atolls comme celui de Fakarava n'est pas destinée à la consommation mais pour des usages domestiques comme le nettoyage ou en agriculture. L'eau douce de la lentille est généralement extraite grâce à des pompes comme sur la parcelle de Tehei. Mais sa surexploitation peut augmenter durablement sa salinité et la rendre inutilisable pour l'arrosage. Afin d'aider Tehei à protéger cette lentille et à optimiser sa gestion, la direction de l'agriculture de la Polynésie française et le projet Protège ont mis à sa disposition plusieurs outils, notamment ces sondes qui mesurent entre autres l'humidité du sol de sa parcelle. J'attends que ça s'allume. En fait, hop, je plante les sondes là, jusqu'au fond.
Ensuite, là, en fait, tu as une lecture directe, en fait, directe sur l'appareil. Et là, en fait, ça te donne le taux d'humidité dans le sol. Ici, c'est la salinité dans le sol. Et ça, c'est la température dans le sol. 16%, c'est pas bon. Il faut que j'arrose. Idéalement, le taux d'humidité doit se trouver entre 25 et 30%. Ces mesures permettent à Tehei d'optimiser son arrosage, la productivité de sa parcelle et de ne pas puiser inutilement dans la lentille d'eau. Autre technique proposée à Tehei pour rendre la lentille plus résiliente, mesurer sa salinité. Les mesures que tu m'avais fait passer, c'était les mesures au niveau de la pompe. Hein ? Ouais, au fond. Là aussi, la direction de l'agriculture de la Polynésie française et le projet Protège lui ont fourni une sonde qu'il va immerger régulièrement au point de pompage de la lentille. Voilà. Là, c'est une valeur qui correspond mieux. En fait, là, on a mesuré le taux de sel dans la lentille d'eau. Là, on est à 3,40. Ça correspond à 3 grammes de sel par litre d'eau. Alors, concrètement, là, ce que je suis en train de pomper, en fait, c'est que je suis en train de pomper du sel. Ça sert d'envoyer du sel dans mes planches de culture. Au-dessus de 1 gramme, l'eau est considérée comme salée et mauvaise pour l'arrosage. Tehei devra donc attendre que la salinité de la lentille redescende avant d'arroser de nouveau. Avec le changement climatique, les sécheresses sont de plus en plus longues et la montée des eaux de plus en plus caractérisée. Autant d'effets qui perturbent l'équilibre de la lentille d'eau douce et s'ajoutent aux impacts de l'agriculture sur cette lentille. Afin de mieux gérer les captations d'eau de Tehei, la direction de l'agriculture a fait appel à Mathieu Auro, un hydrologue. On va faire un test différent et l'idée c'est d'essayer de cartographier au mieux le sol de la parcelle de Tehei. Mathieu Auro a installé dans les puits de la parcelle de Tehei des sondes qui permettront de mieux connaître sur le long terme le fonctionnement de la lentille et de prévoir ses comportements. Voilà, donc là je vous sors notre sonde multiparamètre. Qui nous permet de mesurer surtout la hauteur d'eau et la conductivité électrique. La conductivité électrique, c'est un mini-courant électrique qui est envoyé et c'est toutes les particules minérales, et donc le sel dans notre cas ici, qui vont réagir et qui vont donner une valeur. Les sondes prennent des mesures toutes les 10 minutes et seront analysées sur près de 2 ans. Donc on a 2 objectifs, on a un objectif assez local, qui est donc pour Tehei, l'agriculteur ici. Cet objectif-là, c'est vraiment de l'aider à améliorer sa captation d'eau par rapport à ses besoins. C'est-à-dire aujourd'hui, il prenait dans un puits qui est relativement salé, on va dire, et il pompe tous les jours pendant 1 heure. Et on a vu qu'on était moins impactant si on puisait à un autre endroit qui est moins salé, et qu'on puisait plutôt par tranche de 20 minutes en laissant reposer le puits pour que l'eau douce qui est autour revienne à l'endroit du prélèvement d'eau. Donc ça, c'est un objectif qui est assez localisé. Après, dans une vision un peu plus longue et un peu plus large sur l'ensemble des motus, des toits motus, c'est essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les lentilles d'eau et de créer des typologies de lentilles d'eau en fonction des sols, des motus sur lesquels elles sont, donc au niveau de la taille du motu, et d'essayer d'améliorer les prises de décision pour un agriculteur. D'essayer qu'il essaye de creuser à des endroits où il a plus de chances de trouver de l'eau, et de l'aider aussi avec quelles instrumentations simples il pourrait utiliser pour contrôler la salinité de son eau et puis faire perdurer sa ressource le plus longtemps possible, et aussi avoir une démarche résiliente sur le long terme, et de travailler aussi un peu plus avec la collecte d'eau de pluie, récupérer l'eau du puits quand les sols sont plutôt humides, éventuellement faire des mix, tout ça pour améliorer et optimiser sa production et en minimisant l'impact qu'on a sur la ressource. Pour améliorer l'humidité de ces sols, Tehei pratique aussi le paillage. Chez Tehei, on teste le paillage. On fait des mesures justement avec nos sondes à différents moments de la semaine pour voir comment évolue l'humidité du sol sous paillage, avec des témoins non paillés, à différentes épaisseurs de paillage. Ça va nous permettre justement de démontrer aux agriculteurs qu'il y a un véritable intérêt, mais en leur expliquant les conditions d'un bon paillage. En marge de son exploitation maraîchère, dans le cadre de Protège, sur une parcelle test, Tehei fait pousser des citronniers, des bananiers ou des figuiers selon les principes de l'agroforesterie.
Ce jour-là, une formation est organisée sur son exploitation pour sensibiliser d'autres agriculteurs à cette pratique. L'agroforesterie, en fait, c'est un ensemble de plantes qu'on va mettre en relation pour pouvoir en fait, nourrir le sol et nourrir les plantes qu'on va produire pour manger. En fait, on va essayer de reproduire une forêt. On choisit, avant même de planter, il faut choisir les plantes qui peuvent cohabiter ensemble et qui vont apporter des choses pour l'agriculteur. Et avec ça, et pour faire ça, en fait, on s'est appuyé sur, avec la DAG et puis Protège, la CPS et l'UICN, en fait, on s'est appuyé sur un spécialiste de Calédonie, Michael Sansoni, qui lui est déjà lancé depuis un moment sur l'agroforesterie. Sur les différentes comment on va dire ça, les différentes espèces qu'on peut implanter dans l'agroforesterie en Polynésie, parce que l'intérêt en fait c'est de prendre les plantes de l'île et de les incorporer dans notre forêt en fait. Alors toutes les plantes qui sont mises là en fait vont produire de la masse, de la biomasse, des feuilles qu'on va couper et remettre au sol en fait. Mais en fait ça va se dégrader, ça va alimenter le sol. Ensuite, il y a d'autres particularités comme le cofaille et le gliricidia. En fait, ces deux-là, en fait, ils ont une particularité, c'est que ça fixe l'azote dans le sol. Et en plus de ça, le cofaille a une autre particularité en fait, spécifique au cofaille, c'est qu'elle arrive à développer dans le sol des mycorhizes. En fait, ces mycorhizes-là, on va dire que c'est une bactérie qui arrive à fixer l'eau et les nutriments. Avec l'agroforesterie, plus besoin d'intrants chimiques, les sols sont fertiles naturellement et leur évaporation limitée. Lors de la formation sur la parcelle de Tehei, un atelier est organisé pour aider les agriculteurs à dynamiser leur sol. Ce qu'on cherche à avoir, grâce à une structure aérée, c'est un sol qui est capable de bien absorber l'eau. Quand je dis bien absorber, c'est que l'eau ne descende pas à la verticale en profondeur. Bon, là, il faut quand même mettre des quantités, mais surtout qu'elle s'infiltre bien, elle rentre bien dans le sol, et qu'après, grâce aux éléments du sol, elle puisse explorer tous les petits trous qu'il y a. Guillaume Delaunay est formateur en agriculture biologique, c'est lui qui anime cet atelier. La problématique des sols coralliens, c'est que c'est des sols qui sont très caillouteux, très sableux, donc très filtrants. Ça veut dire que quand les agriculteurs arrosent ou quand il pleut, l'eau a tendance à bien drainer, à ne pas rester proche de la surface du sol. Donc ça limite forcément la disponibilité en eau pour les cultures. L'enjeu vraiment pour eux, c'est aussi d'arriver à pas que mieux utiliser l'eau, c'est aussi faire en sorte que le sol retienne mieux l'eau. Et donc il va falloir travailler sur cette qualité de sol pour ça aussi. Le plus grand levier qui existe pour améliorer la rétention d'eau dans les sols, c'est de les enrichir en matière organique. Et on voit d'ailleurs dans les sous-bois, dans les zones un peu plus forestières, que les sols, avec l'accumulation de matière organique en surface, qui se décompose petit à petit, se sont enrichis et ont une meilleure capacité à retenir l'eau. Donc l'enjeu pour les agriculteurs qui ont des plantes qui exigent quand même des besoins en eau relativement importants, ça va être ça, ça va être d'enrichir les sols en matière organique par des apports de compost, par une couverture du sol la plus permanente possible. Ça peut être du paillage, ça peut être une couverture du sol vivante, hein, des plantes couvre-sol, dans les cocoteraies, dans les allées. L'idée c'est vraiment de jouer sur à la fois l'aspect rétention dans le sol, mais aussi protection au niveau de la surface du sol pour limiter l'évaporation quand il y a eu des pluies ou quand il y a eu des arrosages. Ça fait 2-3 mois maintenant que j'arrose plus. Après 2 jours de formation, les agriculteurs repartent avec de nouvelles connaissances en agroforesterie sur le fonctionnement des sols et de la lentille d'eau. Moi c'est simple, je voulais comprendre le fonctionnement de la plante et les besoins, tout ça. Si on comprend la base, c'est ça la base, hein, on peut tout faire. Ça part de là. Comment pousse une plante et quels sont ses besoins? Maintenant, je sais. Pour moi, ben, depuis qu'on avait commencé hier, ça m'a bien plu. Toutes les techniques pour l'eau et les tests de l'eau, si c'est salé ou pas salé. La semaine prochaine, ben, je vais commencer à améliorer tout ce que j'ai appris avec vous.
avec les compost, tout ça, rassemblé autour des plantes que je plante. En tant qu'agronome, en plus, quand tu vois un sol qui est presque essentiellement composé de corail, avec très peu de matière organique, tu as tendance à être découragé. Et de voir que dans un sol très similaire, Tereille a réussi avec vous à lancer ça, c'est sûr que c'est très motivant et j'ai bon espoir qu'on arrive à le faire avant Guirois aussi, en travaillant avec des espèces similaires en plus à ce que Tereille a fait. Avec cette formation, Protège s'inscrit également dans le cadre du schéma directeur de l'agriculture de la Polynésie française, qui vise notamment à renforcer l'autonomie alimentaire des Tuamotu. À Wallis et Futuna, comme souvent en Océanie, l'agriculture est l'une des principales sources d'activité. Des pratiques agricoles généralement vivrières pour la coutume et nourrir la famille. C'est le cas pour Sosefo et Malia Falakika, un couple d'agriculteurs du nord de Wallis. En plus des taros et ignames, le couple exploite une parcelle maraîchère, des arbres fruitiers ou des pandanus dont les feuilles serviront au tressage ou pour confectionner des toits. Grâce à leur exploitation et à force de travail, Sosefo et Malia Falakika estiment avoir eu une vie confortable, mais ils sont inquiets pour l'avenir. Leurs propres enfants ne reprendront probablement pas l'exploitation. À Wallis, l'agriculture n'attire plus, alors des pratiques agricoles disparaissent, mais aussi des espèces ou des variétés, notamment pour le taro ou l'igname. Les conséquences de ne pas conserver ces espèces-là, c'est déjà une grande perte au niveau du savoir, du patrimoine. Il y a tout un aspect culturel derrière cela, les pratiques qui sont liées à telle culture d'igname, à telle culture de taro. Donc il y a tout ce savoir-là qui aujourd'hui est clairement menacé. Et ensuite, il y a aussi tous les enjeux de sécurité alimentaire, d'autosuffisance, parce que on est sur une île qui est très dépendante des importations. Et on se rend bien compte que si on ne développe pas plus l'agriculture locale, on va se retrouver à des vrais problèmes de résilience. C'est vraiment un enjeu fort pour le territoire. Dans les petites îles, de manière générale, c'est de pouvoir s'autosuffire déjà et faire face à tout type de pénurie, que ce soit des cyclones, que ce soit là, cette année, surtout ces dernières années, on a été frappé par la Covid. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la solution de l'agriculture locale est une réponse, a toujours été une réponse. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire en sorte que ça puisse perdurer. D'où l'intérêt de travailler sur les espèces, sélectionner lesquelles sont les plus adaptées pour résister au changement climatique, voir comment est-ce qu'on peut caractériser les différentes espèces locales. Face à ces enjeux, le projet Protège mène plusieurs actions pour rendre plus résilientes les pratiques agricoles et préserver l'agrobiodiversité. Comme avec Alix Mazur, ingénieure en développement agricole à l'Institut agronomique néo-calédonien. Elle réalise en coopération avec la direction des services de l'agriculture, de la forêt et de la pêche de Wallis et Futuna une vaste étude au Fénois. Mon projet, c'est de faire un inventaire
des variétés qui existent à Wallis et Futuna, donc des cultures vivrières traditionnelles. Donc ça va être taro, igname, capé, bananier principalement, fruits à pain, cava, tabac, donc, tout ça. Le tis, en fait, c'est vraiment de un, voir ce qu'on a sur l'île, mais aussi d'éviter qu'il puisse y avoir des pertes des variétés. C'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disparaissent pour plusieurs raisons. Et donc là, c'est vraiment de faire un premier inventaire de ce qu'on a et de garder surtout les connaissances qui peuvent aussi tendre à disparaître. Pour son inventaire, Alix réalise des dizaines d'entretiens avec des agriculteurs parfois âgés de plus de 80 ans. Ce sont souvent les derniers détenteurs des savoirs ancestraux sur les variétés agricoles. Aujourd'hui, Alix a rendez-vous à Vaitupu, au nord de Wallis, avec Lopeleto Lasalo, 82 ans, qui cultive notamment près de 10 variétés d'igname. Tu peux juste me rappeler qu'est-ce que tu as comme variété d'igname ? Au Fahina, au Fahina, côté Bori, côté Mahua, côté Kamaï, côté Ufifolao, Ufili, Ufolao, Larai. Monte vert, monte varasor, monte port. Et il y a des variétés locales qui ont disparu. Je crois qu'il y a un peu de fouchis là-bas. Il y a un peu de fouchis. Il y a un peu de fouchis. Et puis il y a un peu de fouchis. 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 Moi, ce que je cherche à savoir en faisant ces entretiens, c'est essayer de, donc déjà d'avoir une idée des variétés qu'ils ont dans leur champ, également s'ils ont connaissance de variétés qui ont disparu ou qui semblent avoir disparu, et puis après avoir des informations sur comment on les cultive, comment on peut les consommer, si elles ont une importance culturelle, coutumière. Mata ko fana oro ke lili ki ki he ki tu apuranga pa lili mai mo den to ilo pa mo den to mo ako ia le le ya me te fa finale le ha o fokao to mai e fera ke ne to kumito ki o ma uai ta go ai fa kao kao. Après chaque entretien, Alix demande à l'agriculteur de lui montrer sa parcelle avec ses différentes espèces cultivées. Kote talo uri. Là, talo uri. En fait, là, quand je viens dans les champs avec l'agriculteur, l'objectif, c'est de, donc, qu'il me montre les différentes variétés qu'il a. Et puis moi, après, j'ai tout un travail de description. Donc ça va être, par exemple, pour le taro, ça va être la forme des feuilles, si elles sont plutôt plates, si elles tombent, leur couleur, la présence d'une tache au milieu du pétiole. Par exemple, là, on a une belle tache qu'on voit bien. C'est une variété ancienne qui a une caractéristique d'avoir ses rayures vraiment très distinctive, donc avec du vert, avec des rayures assez rouges, noires qui apparaissent. Et donc ensuite, ça serait à la fin de ce projet d'essayer de produire un catalogue, un livre dans lequel on retrouverait toutes les variétés décrites avec les photos correspondantes, qu'est-ce qu'il faut regarder pour bien savoir. Donc en fait, n'importe qui pourrait presque venir dans un champ et en regardant la plante, pouvoir reconnaître quelle variété ça correspond. Partager cette connaissance avec les gens qui ne les ont pas dans leur champ et qui puissent peut-être s'intéresser à les recultiver ou du moins savoir qu'elles existent. Conserver la diversité des espèces agricoles est particulièrement important dans un contexte où les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir en Océanie. Plus on a de variétés différentes, plus on peut être résistant, nous résilients en fait, à s'adapter à ce changement de climat. C'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs variétés qui ne vont pas avoir les mêmes sensibilités. Et donc s'il y a, par exemple, un cyclone qui passe, certaines variétés vont avoir tendance à mourir, alors que d'autres vont rester. Donc ça paraît vraiment, en fait, plus on a de diversité, plus on est résilient face aux différents problèmes qu'on peut avoir dans une année agricole. Protège a également créé à Wallis et Futuna un réseau de 7 fermes dites de démonstration pour encourager cette agrobiodiversité et aider des agriculteurs comme Sosefo et Malia Falakika à rendre leurs pratiques agricoles plus résilientes. En Nouvelle-Calédonie, le projet Protège mène également de nombreuses actions pour une agriculture plus résiliente.
C'est notamment le cas pour l'élevage bovin qui occupe la troisième place dans l'économie agricole du territoire. Johan Kerouas est ingénieur conseil au pôle élevage de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Avec Protège, il est en charge de diffuser des pratiques agroécologiques en gestion de pâturage. Johan Kerouas, bonjour. Le pâturage, c'est quelque chose de très important, notamment pour la résilience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance du pâturage ? Alors, le pâturage, c'est la base de l'alimentation des ruminants qui sont censés manger de l'herbe. Et c'est très important pour la nature parce que ces espaces pâturables sont des espaces très riches d'un point de vue biodiversité et sont des espaces souvent semi-naturels, c'est-à-dire qui ont la capacité à se régénérer, à pousser tout seul. Alors, en Nouvelle-Calédonie, le pâturage se fait de quelle façon ? Donc on coupe une propriété en quelques morceaux, 3, 4, voire un peu plus, 8 au maximum. Ils peuvent varier en surface, alors là de 5 à 10 hectares jusqu'à des centaines d'hectares dans certaines propriétés où on a des grands espaces et des grands troupeaux. Quel est l'inconvénient de cette pratique ? Comme les animaux vont rester un temps assez long, c'est qu'ils ont un instinct naturel, c'est de prendre le meilleur pour eux, donc recueillir ce qui est d'abord le plus intéressant pour eux. Et le fait qu'on les laisse longtemps, ils vont avoir tendance à repâturer des jeunes pousses qu'ils ont déjà pâturé quelques jours au précédent, et donc empêcher le développement d'une grande quantité, et puis surtout faire de la sélection, donc délaisser une partie pour prendre ce qui les intéresse le plus. Donc ça appauvrit les sols ? Ça peut appauvrir les sols par le surpâturage, effectivement, le fait de revenir manger régulièrement ces jeunes pousses, et puis les sols du coup s'en retrouvent moins vivants, plus compactés, et ça hypothèque les futures années en termes de quantité d'herbe et de qualité d'herbe. Alors vous tentez ici à Nessa Diou une expérience de pâturage dynamique tournant, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment s'inspirer de la nature et nous, en tant qu'humains, de gérer en copie de la nature. Donc on définit des toutes petites zones sur lesquelles on va placer des animaux en grande quantité, mais sur un temps de séjour qui est court, de l'ordre de 3 jours maximum, justement en lien avec ces notions de repousse de l'herbe. 3 jours, c'est en fait ce qu'il faut à une plante quand elle a été coupée une première fois par l'animal pour refaire une feuille. Le feuille étant sa source d'énergie principale, le panneau solaire, quoi. En gros, ils vont tout couper une fois. Et quand on a observé que pratiquement tout a été coupé une fois, donc ils ont prélevé une partie des feuilles, c'est là que nous, on décide de les faire avancer, donc d'enlever un fil ou de les faire passer dans le petit paddock suivant. Alors, quels sont les bénéfices attendus d'une telle pratique du pâturage tournant ? C'est la pratique la plus écologique et puis la plus, on va dire, naturelle. On convertit l'énergie du soleil en matière. Les animaux la valorisent, produisent de la viande pour nous, mais ça peut être du lait dans d'autres pays. Ça pourrait même être de la force de traction. Donc, on a un système qui est, on va dire, quasiment naturel et totalement autonome vis-à-vis de l'achat extérieur qui pourrait être de l'engrais ou éventuellement, vu qu'on agit aussi sur le bien-être, on va dire, alimentaire et la santé des animaux, moins de dépenses éventuellement vétérinaires, des choses comme ça. Et en plus, au niveau du carbone, ça peut avoir un effet sur ces fameux gaz à effet de serre qui seraient absorbés, en fait, comme une forêt, par ces pâturages ? Tout à fait. On le sait de par les travaux scientifiques. À l'échelle globale du système, en respectant ce qu'on vient d'expliquer, on fixe du carbone, c'est-à-dire qu'on prélève du CO2 de l'atmosphère pour l'injecter dans les sols. Plus on a de carbone dans nos sols, plus on a des sols vivants et plus on a des sols qui fonctionnent de manière naturelle et autonome. Ça pousse tout seul, en fait. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment d'utiliser au maximum le CO2 et de le valoriser en matière. Voilà. À l'image de la forêt, la prairie est un autre grand état naturel. Les savanes dans le monde représentent des milliards d'hectares. C'est un enjeu extrêmement important de préserver ces zones et de les valoriser, en tant aussi que bon, alimentation pour les animaux ruminants, mais outil de gestion des problématiques environnementales, notamment du réchauffement climatique. Avec le soutien de l'ADEME et de l'Agence calédonienne de l'énergie, une étude scientifique doit prochainement débuter pour mesurer précisément la capacité d'absorption en CO2 des pâturages dans les élevages partenaires de Protège. Johan, merci beaucoup. Merci. C'en est terminé pour ce numéro de Résilience. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.